Bonjour, bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon jeudi. Voici le résumé de ce que nous avions fait mardi. Hier, j'ai fait la transcription, mais j'ai pas eu le temps de faire l'enregistrement. Donc, le voici. Mandaté, on peut le dire, faire l'autorité, to mandate. Ce n'est pas obligatoire d'allumer la vidéo ou d'avoir la vidéo pendant les cours. Les étudiants ne sont pas obligés d'utiliser leur vidéo. Les élèves sentent quand les professeurs sont faibles. Il faut faire attention à son comportement. On a ce phénomène de helicopter parent. Beaucoup d'élèves échouent à cause de leurs parents. Et oui, c'est vrai. Mais beaucoup d'élèves persévèrent également. Quand on a vraiment envie de s'en sortir parce qu'on a les parents qui ne sont pas très éduqués, qui n'ont pas été très loin dans les études et qui se battent en fait pour gagner un salaire assez décent. Okay. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont envie de s'en sortir, il y en a qui travaillent très dur pour s'en sortir. Voilà. Quand on parle de Thanksgiving, toutes ces choses-là, tu m'avais dit, moi ce que je préfère, c'est le vin. Okay. Ma boisson de choix, c'est le vin. Beaucoup d'hommes aiment le vin, le vin et aussi la bière. Alors, ça, c'est les exercices. Est-ce que les Américains ont vraiment libéré la France? Ça, c'est un article qui te permettra d'avoir une opinion un petit peu plus, comment dire, un peu plus détaillée. Voilà. Faudra écrire cet article, enfin, ce petit paragraphe sur les Américains. Est-ce qu'ils ont vraiment libéré la France? C'est un sujet polémique, je le sais. On avait fait l'Office du tourisme. Tu as l'audio. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18 h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23 h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal, mais si bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. Alors, on a des questions complexes hein, ici, avec est-ce que, qui, par où est-ce qu'on doit passer, mais on peut les simplifier. On doit passer par où? Okay. À quelle heure est-ce que ça commence? Ça commence quand? À quelle heure? D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer? On peut participer à partir de quel âge? Ou à quel âge? Avec qui est-ce que tu vas au bal? Tu vas au bal avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? On pourrait dire ça. Le 14 juillet, le défilé militaire, les drapeaux, voir le feu d'artifice, le bal, s'amuser, aller danser. Okay? Donc on avait fait les réponses, hein, les corrections, je te les ai envoyées. Et là, on a exprimé une obligation. Bonjour madame, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas, mais vous devez demander à l'ambassade. Alors, aller à Paris, arriver à l'ambassade, dîner au restaurant, venir à la poste, commencer à faire quelque chose ou à cuisiner, arriver à, to succeed on doing something, demander à quelqu'un, je demande à mon ami, téléphoner à quelqu'un, je téléphone, il téléphone à sa femme, parler à quelqu'un, elle parle à ses voisins. Alors le verbe devoir plus infinitif, c'est une obligation personnelle. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez aller à la mairie. Tu dois préparer tes valises. Il faut plus une obligation impersonnelle, il faut un visa, il faut une carte de séjour. Ok? Il faut, voilà. Il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en France. Il faut prendre une assurance pour la voiture, etc. Alors, ce lien-là, il est valide pendant une semaine. C'est le film La Grande Vadrouille avec Louis de Funès, un des films que je te conseille de regarder. C'est assez long, mais ça en vaut le coup. On a un petit exercice avec tout, toutes, tous, toutes. Selon les cas, si c'est pas fait, on le fera ensemble, il n'y a pas de problème.
Et ça, c'est le petit, la petite leçon qui parle de tout. Voilà. Hop, hop, hop. C'est un peu, c'est pas très long en fait. Allez, tu passes une très bonne soirée. On se voit donc demain à 5 h. Allez, à demain.